Ok, celle de Miguel, ça part. Est-ce qu'il va être torse nu, c'est la question. Parce que lui, il kiffe être torse nu. I'm from Brazil. Ah non, c'est Fire qui est torse nu tout le temps. I'm super motivated to play King of the Desert. It's a tournament that always brings a lot of good games and a lot of hype. I think reaching into group stage would be a good result for me already because I have been failing a lot in 1v1 tournaments. So if I get to group stage, then I think I'm gonna be more comfortable playing the next match. Sosie de Viper, bon, t'es connerie. Y a aucune ressemblance, mec. T'es fou. I'm more comfortable playing not very open maps. I prefer the more closed ones because I think my playstyle is more about macro than full army. I don't really like to play the Alvin styles. I think the game gets more smooth for me after I get the treats going, economy going. C'est les mêmes, mais n'importe quoi, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a un qui a une barbe, l'autre qui en a pas déjà. C'est un faux air, mais pas un air. Non, c'est, y a aucune ressemblance. My playstyle is more similar to people like Mysterio. Besides the skill gap between us, but on dirait son frère, ouais, bien sûr, son frère jumeau même. I think bien we sûr. Are more macro-based and we try to get things going. We don't force too many fights and we wait until Imperial Age fights. I think nowadays, after all, the balance has to be commons because it's a sieve that if you're not exploring your enemy way too much, then you can never know what the enemy doing. Can do jutsis, can do charge range, like full aggression with the ship military buildings. So I would say commons for sure, the most tough to play against. Ok. I think of him more like all the other Brazilians. Pas de game ID, on va attendre patiemment. Mais il y a zéro ressemblance par contre, hein. Je vais vous montrer quand même Viper, hein, les gars. On va se mettre d'accord sur un truc avant de commencer. On va regarder une photo de Viper et une photo de Miguel, n'est-ce pas? Alors, Miguel et... Putain, il est où Viper? Là, ok. Donc vous êtes en train de me dire que... N'importe quoi, hein. Donc cet homme-là, vous êtes en train de me dire que cet homme-là à droite ressemble à cet homme-là. Donc c'est ce que vous êtes en train de me dire là, que ces gars-là se ressemblent. Non mais, s'il vous plaît, soyez sérieux deux secondes. Sérieusement les gars, allô. Avec les lunettes, oui, mais n'importe quoi. Taisez-vous donc. C'est juste qu'ils ont effectivement des lunettes qui se ressemblent. Les lunettes, elles se ressemblent. Là-dessus, on est d'accord. Il y a peut-être un lien de parenté entre les lunettes. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Mais les mecs, eux, se ressemblent pas. Non. Putain. Oh, j'ai un jumeau de Jaredetto. Ah, ça, c'est apprécié, ça. Ça, c'est complètement apprécié. Et on a un game ID. On va pouvoir y aller. Il y en a un, le renard, il joue demain, il s'appelle Cito, ouais.
ça lance pas. Pour le moment, ça ne lance pas. Baba, il a échoué, ouais. Il a échoué, malheureusement. Il a perdu, je crois, contre Dark, si j'ai bonne mémoire, aux dernières étapes des qualifs. 3 à 2, il a perdu. À deux doigts de passer, le bon Baba. Ok, je pensais 3-2. T'es sûr 3-1? Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. C'était Dark? Ouais, c'était Dark, je crois. Hein. Ouais, c'était Dark. Ouais. Yo, KFC. Yo, yo, yo. Bon, elle se lance cette game ou pas là? C'était pas 3-2? Moi, je pense que c'est 3-2, ouais. Tatar contre Malien. Ok. J'ai tendance à croire que Malien, c'est un bon pick face à Tatar. À voir. À voir, mais je pense que c'est pas un mauvais match-up pour Miguel. Mais attention à Tatar, hein, qui, à mon sens, est l'une des meilleures cibles, je pense, sur cette version d'Arabia. Très clairement. Analysons tout de suite les maps. VLC en bleu, Miguel en rouge. À première vue, on a une map assez intéressante pour VLC, qui peut trouver, où il peut trouver en tout cas un wall assez rapidement, à l'aide de ses différentes forêts. On voit, hein, que d'une game à l'autre, la map est totalement différente. Hein. Autant des fois tu commences avec 4 forêts autour du forum, et autant des fois t'en as 2, quoi. Ok, forêt dans le bac aussi du coup pour Miguel, celle qu'on va privilégier en premier. Compliqué de trouver un full wall, je pense, sur cette map là. Voler quelques endroits, c'est possible, mais toute une map là me paraît assez compliquée. TC toujours entouré de collines. En fait, c'est pas que le TC est entouré de collines, c'est que les forêts sont souvent sur ou à côté de collines. Quand tu regardes un petit peu la map de manière globale, tu remarqueras que sur chaque forêt, en fait, t'as des collines. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui rend la map intéressante, à mon sens. Bon, en tout cas, je pense, ouais, qu'on va partir sur un Manatarm sauf du nombre de bûcherons côté ville essai. Alors que chez Miguel, on a mis 3 bûcherons, donc peut-être une ouverture scout rush. Les Maliens, ouais, je pense que c'est une bonne sieve. Pour matcher face à un Tatar, on pourrait partir sur un play chameau, peut-être. Chameau, mix knight. Pour éventuellement contrer le player chef de cavalerie des Tatars. Si en tout cas ça va jusque là. Sur l'âge des châteaux, bon, c'est assez even, je dirais. Si ce n'est que les moutons durent plus longtemps côté VLC, donc on a un petit bonus économique malgré tout. Oh, je suis pas d'accord, Wolf, ça aurait pu être pire en vrai. Ça aurait pu être pire. Il a des éléments de réponse. Alors que s'il avait pris les 1 par exemple, bah je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, typiquement. Bon, quoique non, en vrai les 1 ils ont les archers de cavalerie. Mais je sais pas, une autre cif comme j'en sais rien en fait. Je vais regarder sa draft du coup. Il avait le choix entre quoi et quoi. Ouais, il avait les 1. Mais typiquement, tu vois, s'il avait eu... Bah s'il avait eu les Khmer, typiquement, je pense que ça aurait été plus compliqué. Maya, ça pue contre Malien aussi, ouais. Surtout sur le late game, en l'occurrence.
Khmer Scorpion, c'est ok. Bah écoute, ok. Voilà ce que j'ai à te dire. Puis laissez en tout cas, 6ème minute de jeu, scoutera la caserne proposée ici par Miguel. C'est intéressant ça, hein, parce que ça voudrait dire qu'on partirait peut-être sur un potentiel Man at Arms. Ça y ressemble fortement. Ok. Man at Arms côté Miguel. Alors que les miliciens de Villessé sont en train d'arriver, lui on partira. Il partira visiblement plutôt sur un Drush. Ok, intéressant. Je préfère la situation de Miguel ici. Hein, avec ce Man at Arms qui a priori devrait gérer le Drush très rapidement. Surtout que les différents spots sont pour le coup très safe. Donc ici j'ai tendance à préférer la situation de Miguel, ouais. Mais c'est toujours pareil, Wolf. C'est toujours une question de masse finalement. Mais je pense qu'avec Malien, il s'en sort bien. S'il avait eu Khmer, je pense que le match-up aurait été plus difficile face à un Tatar. Là, avec les chameaux, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Une armée à base de chameaux et knights, pourquoi pas. Drush que deux miliciens. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ça a quasiment le même impact qu'un Drush 3 miliciens finalement. Ce que tu veux, c'est surtout engendrer d'idle time au niveau de la récolte. Si t'arrives à prendre un kill, tant mieux. C'est un peu plus dur du coup avec 2 miliciens que 3, mais ce que tu veux, c'est surtout déranger. Et tu peux autant déranger avec 2 qu'avec 3. C'est ce qu'expliquait Sito la dernière fois, je lui ai posé la question. Bah, c'était en interview, mais je sais plus dans quel contexte. Grosse transition alors, en tout cas, pour le bon Villessé qui n'a pas encore terminé son rôle. Hein. Attention, attention. Bah d'ailleurs on pourra pas le finir le wall je pense. On va devoir réajuster un nouveau wall là pour Villessé. Puisque sur le flanc droit il reste encore une fois bien ouvert. Hein. Ouais, on peut voir que la maison avec son moins 2 de défense aussi sur l'armure. C'est pas mal du tout hein. Ça fait quand même très très mal le Man at Arms sur un mec qui est encore à la chambre. Hein. Pour le moment on gagne du temps pour le bon Villessé. Son Drush lui rentrera à la maison. Il va cliquer Man at Arms également. J'imagine qu'il va peut-être rajouter aussi un milicien ou qu'il en a peut-être déjà rajouté un, effectivement c'est le cas. On s'achète beaucoup beaucoup de temps pour Villessé. Pour l'instant on va également proposer une archerie pour le joueur Tatar. Attention à cette maison, attention à cette maison. C'est bon. De justesse, mais c'est bon. Et on va maintenant pouvoir récupérer un petit peu le contrôle de cet or là. Pour justement dégager un petit peu de pression, on prendra même la décision de fighter avec des pions pour Villessé. De manière à vraiment avoir un avantage concret sur cette fight là. Là j'imagine qu'on attend les premiers archers avec impatience hein, pour Villessé. Il décidera de ne pas proposer de tour non plus. Par contre une deuxième archerie très rapidement pour Villessé. Intéressant, avant même la forge. Alors que les premiers archers côté Miguel sont déjà de sortie. Hein. Attention à la micro mais ça me paraît être plutôt ok. Heureusement qu'on a sollicité des villageois pour le coup chez Villessé. Mais pour autant on en perdra hein, le premier kill économique du coup qui est trouvé pour Miguel. L'archer fait la diff, hein. L'archer fait clairement la diff. On perd le scout, mais pour autant, on continue de mettre de la pression. On continue d'avoir le contrôle de la colline. Alors heureusement, cette deuxième archerie devrait pouvoir aider, je pense, Villessé. Oh, c'est bien joué. Oh, dommage. Un HP, la pionne. Allez. Oh, c'est dommage. Vraiment, vraiment dommage. Pour l'instant, la fletching, amélioration du camp de bûcheron pour Miguel. Et on récupère le contrôle de l'or pour Villessé. Situation qui s'inverse du coup.
Est-ce qu'on a rajouté une deuxième archerie? Elle est là, la deuxième archerie. Elle est là. On a bien sûr le plus en attaque pour Miguel. Là où pour le moment on ne l'a pas côté ville essai, c'est pour ça que Miguel il veut y aller là. Il le sait qu'il a un intérêt à l'engager cette fight. Puisqu'il a plus en attaque mais aussi plus en portée. Donc l'avantage ici il est réel. On va dodge un petit peu là pour ville essai. Un petit peu le statu quo là entre les deux joueurs. On a proposé un petit tirailleur dans la compo là pour Villessé. Rien de très inquiétant pour le coup. Deux villageois d'avance finalement hein, pour Miguel. Alors qu'on a trouvé que un kill. Mais il y a un peu d'idle TC qui a été trouvé chez Villessé. Ce qui va expliquer du coup cette petite différence. Belle fight pour Villessé. Très 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 belle fight. Il va en sortir gagnant. Derrière, est-ce qu'il y a un créneau qui s'offre à lui? Possible. Il va falloir faire attention là pour Miguel. Oh, Miguel qui joue avec le marché, ok. Il a vendu sa stone. Ok. Peut-être un peu précoce finalement. Je sais pas trop pourquoi il l'a vendu à ce niveau-là de la game. Étant donné qu'il est quand même très très loin de cliquer Castle Edge. Ça me paraît. Paraît un petit peu bizarre comme décision. Parce que là, il se prive d'une potentielle tour si jamais par exemple il venait à devoir en proposer une. C'est assez, assez bizarre, ouais. Qu'il la vende, pourquoi pas, mais pourquoi aussitôt? Pour l'instant, là, la brouette est trouvée côté VDC. C'est vrai qu'il méritait une petite banane, le petit Sir Arkaos sur cette petite blagounette. Il est bon en ce moment, Arkaos, il est en bonne forme. Hein. Il est en bonne forme, il propose des blagues assez drôles. Bon, en tout cas, sur le plan défensif, on est très bien côté Miguel, sur cette colline, avec la riprod juste à côté. On va avoir le temps de finir le wall et on a finalement trouvé Castle Edge bien avant son adversaire, mais pour autant, les décisions sont différentes. Hein. On n'a pas décidé de faire la brouette côté Miguel, donc forcément... L'économie est vraiment moins bonne que celle de Villesse, mais peut-être que l'avantage technologique va lui apporter un bonus bien plus important. Ou attention par contre, parce que là, la riprod, elle se fait sniper pour Villesse. Il s'agirait de faire attention à ça. On va essayer de reprendre un bout de colline. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette fight? C'est dommage parce que je crois qu'on va perdre un petit peu d'armée là peut-être avec tous ces tirailleurs côté Miguel. Il serait intéressant de préserver le plus d'archers possible. Hein. C'est pour ça aussi qu'il essaie de pas trop l'engager la fight. Il arrive bientôt dans une minute. Donc dans un monde idéal, on aimerait garder ses archers pour les transformer en crossbow. Mais Villessé, il a pas l'air d'être de cet avis. Hein. Il a pas l'air d'être de cet avis du tout. Bah ça serait pas illogique en tout cas le renard. Tu te doutes bien que un tournoi où il y a 20 000 dollars à gagner pour le premier, s'il y a moyen de réduire le risque en wallant, bah tu le fais quoi. Moi le premier hein, qui n'aime pas les walls, si demain on me dit tu fais une game à 20 000 dollars mec, je vais waller, je vais tout waller. Hein. Bon en tout cas on trouve Castle Edge pour Miguel qui a finalement réussi à sauver pas mal d'archers. Ce qui est une bonne chose mais pour autant... Pour autant, il n'en a pas tant que ça. Il en a 12. Il en a 5 ici. J'arrive pas à localiser le deuxième groupe. Ok, le deuxième groupe est là. Ça peut faire par contre de vrais dégâts. Hein. On snipera un archer, deux archers, c'est pas mal. On a trop défendre ou pas là pour le bon Villessé? Pas grand chose pour défendre là. Hein. Va falloir serrer les fesses. Hein. Du coup, l'or est totalement perdu. Pour l'instant, la belle micro également proposée par Miguel sur la fight au sud. Ouais, belle pression exercée ici par Miguel. On interrompt la récolte alors, on interrompt également la récolte au bois, ou en tout cas un petit peu.
très intéressant comme séquence de jeu pour Miguel. Athlete Siege, il veut visiblement partir sur quelque chose de très agressif. Il a vendu sa pierre en même temps, donc il peut pas rajouter de forme maintenant. On est reparti de la base de Miguel, de VLC avec les archers de Miguel. S'entend peut-être qu'il y avait un monde où on pouvait plus forcément ressortir derrière. Donc jusque là je suis assez ok avec cette décision. On va remettre un petit peu de pression avec ce petit groupe d'archers. Ouais, le Mangono qui commence à sortir, c'est intéressant. Alors que c'est l'université et certainement balistique à terme qui va être recherché pour VLC. Il y a un coup à jouer, je pense. Il y a un vrai coup à jouer, je pense, en prenant le contrôle de ce plateau là. Oh attention, le Mangono peut-être sur la colline. Sous la colline, pardon. Quelques dégâts infligés, mais malheureusement, un Mangono qui mourra un peu trop vite, à mon sens. On a vu des Mangono bien plus rentables que celui-ci. Alors qu'ici, on va continuer de trade pour Miguel. Au mieux, en tout cas, un tirailleur aura été pris, certainement un deuxième. Est-ce qu'on peut aller chercher le troisième? Ça pourrait être intéressant. Comme ça, après, on retournerait sur ces bûcherons. Et effectivement, il va tomber. Intéressant. On va continuer du coup de pouvoir harasser éventuellement ici, ouais. Un deuxième Mangono est sorti du coup. Après l'échec du premier, on va reproposer un nouveau Mangono pour Miguel. Pour le moment, pas d'université. À terme, peut-être. Surtout qu'on a large le bois pour la proposer et qu'avec les Maliens, les technologies se font quand même bien plus rapidement dans l'université. On posera un deuxième forum aussi visiblement pour VLC. Qui décide pour le moment de jouer vraiment très défensivement. Oh le Knights qui pop peut-être au meilleur des moments. Est-ce qu'on va pouvoir le sauver ce Mangono? Oui, de justesse, mais attention parce que du coup il est quand même très très low HP. Il pourrait tomber très rapidement. Oh les archers peut-être, oh oui on prend un beau shoot. Peut-être un deuxième tir, quel dommage. Il a manqué une demi-seconde là à ce Mangono pour peut-être créer un véritable exploit. Balistique cliqué du coup hein, du côté de VLC, alors que le troisième forum hein, est sorti côté Miguel. On a également justement cette fameuse université avec balistique qui va être cliqué j'imagine d'une seconde à l'autre. Ouais ça y est, c'est cliqué. Et le troisième forum côté VLC également sur un très beau spot hein, bien que peut-être beaucoup trop dans le bac. Mais c'est peut-être intéressant de sécuriser ici un or, au moins un. Formation échelonnée pour éventuellement réduire les dégâts d'un potentiel shoot de Mangono. Ça y est, on a maintenant balistique. Autant dire que là, la fight, elle peut être à l'avantage de Miguel. Hein. Entre les archers balistiques plus ce Mangono, il y a moyen ici de perdre quelques plumes, mais on décidera de ne pas se faire bait plus longtemps pour Miguel. Et de tout simplement repartir en direction de cet or principal. Ouais, on reprend le contrôle de l'or, c'est une bonne chose. Si le Mangono arrive à trouver le plateau là... Ça pourrait être vraiment incroyable. Ok. En vrai, c'est un Mangono qui reste rentable. Hein. On prend un Knight plus quelques archers. Je pense que le Mangono ici, il est rentable. Hein. Il est très bien sur cette colline ici, je pense quand même. Et sa force, du coup, on peut le voir, il essaie à refaire beaucoup de tirailleurs. Belle macro si j'ai l'impression côté Miguel, 72 villageois, belle économie hein, qui se met en place durant toute cette agression. C'est quali hein, ce qu'il propose ici Miguel, hein. C'est très 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 qualitatif. Quelques archers en défense au cas où. On continue de sniper ici et là, c'est très 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 bien amené ce qu'il nous propose. Hein. Ouais c'est très bien joué. Pour l'instant on peut le voir, un deuxième petit groupe, hein, il est en train de se faufiler. On va certainement essayer d'atterrir sur ces quelques bûcherons. Un VLC qui, j'ai l'impression depuis le début de la game en tout cas, n'est jamais allé voir ce qui se passait chez Miguel. Hein. Contraint de jouer sur la défensive depuis maintenant un long moment. On a du mal à trouver une solution j'ai l'impression.
On est peut-être un peu trop avare sur l'atelier de siège aussi côté Villessé, hein. On aimerait peut-être proposer un atelier de siège et un Mangono pour mieux sortir de ce merdier. Bon, par contre, attention, Miguel qui s'empale littéralement là sur ses archers. Après, ça va, on limite les dégâts, mais on en a quand même donné 2-3 facilement. C'est un petit peu regrettable. On passe la barre des 80 000 villageois maintenant pour Miguel. Alors qu'un quatrième forum va être proposé pour le joueur tatar. Au même titre que le joueur malien d'ailleurs, on peut le voir. On retrouvera quelques kills hein, sur ce bois et sur cet or. Ouais, très 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 actif ici le bon Miguel. Des bonnes fights globalement. Toujours sur colline. Je pense que ce qui manque à Villessé, c'est un Mangono. Typiquement. Ça le bloque beaucoup, je pense quand même. Hein, de pas en avoir. Aïe aïe aïe, dommage. On oublie peut-être un peu le Mangono. Est-ce qu'on peut trouver un petit shoot sympathique? On se coupe bien pour lui laisser. Tire fort à du coup un Knights, forcément. Ouais, on a encore une fois un petit peu oublié l'armée là pour Miguel. C'est la deuxième fois là. Il s'agirait quand même de faire un petit peu attention. Même si j'imagine, on est beaucoup sollicité. Et enfin, cet atelier de siège qui, à mon sens, devait arriver déjà depuis un long moment. Très curieux hein, de le sortir aussi tardivement. Très, 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 très curieux. Ça va peut-être pouvoir faire du bien à Villessé, mais pour autant, j'ai tendance à croire que le mal est peut-être déjà fait. Oh, par contre, attention, on perd une tonne ici pour Miguel. Attention, attention, Miguel. Qui est quand même à 100 villageois maintenant. Hein, contre Villessé qui en a tout juste 80. Et l'impérial. L'impérial qui est trouvé. Regardez la banque de Villessé. Hein. On en est à des années-lumière de l'impérial. Surtout qu'on clique brouette. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors après, les archers maliens, hein, ils sont pas foufous. On n'a pas le plus 3 d'attaque. Donc sur l'impérial, il faudra proposer quelque chose de différent, je pense, pour Miguel. On a une très bonne infanterie. Hein. Une très bonne infanterie qui obtient plus 1 de défense, de protection de perçage par âge, en plus de la forge. Donc ça pourrait être un bon switch. 41 fermiers, en vrai on a l'économie pour l'assumer hein, cette transition, mais c'est, j'ai l'impression, de la cavalerie qui va être proposée. On peut le voir là, des écuries qui sont en train d'être ajoutées et qui vont être scoutées d'ailleurs, pas VLC. Il propose des excellents châteaux d'ailleurs, le bon Miguel là. La cavalerie malienne, elle est aussi très très bonne. Avec la technologie Farimba, plus 5 d'attaque grâce à cette technologie. Cavalerie malienne avec excellent drain. Excellentissime. Ligne de sang, cavalier, chameau lourd. Et donc la technologie Farimba rend la cavalerie malienne très très forte. Mais ouais, je me demande quand même si le switch caserne il n'est pas aussi pertinent. Sans remettre en cause le switch écurie hein, qui pour moi marche aussi très bien là dans son papier, mais est-ce que le switch caserne il est pas bon là dans l'absolu pour partir sur champion? Après le problème c'est que c'est dur à setup quoi. Faut faire faut développer tout l'arbre de champion et en vrai ça prend du temps. Alors que là bah c'est quasiment déjà effectif en fait. Oh beau shoot, très beau shoot pour ce Mangono. Cavalier cliqué, tireur d'élite cliqué, conscription cliquée côté Miguel. Alors qu'on cliquera l'impérial, ligne de sang et élevage côté Villessé. Brouette également. Charrette à bras même. Va être cliqué côté, côté Miguel. 111 villageois contre 115, ça s'est quand même très bien resserré en faveur de Villessé. Sur le plan économique en tout cas. Des archeries vont être ajoutées. C'est intéressant et on partira sur archer de cavalerie, hein, ça y est. Sur le late game c'est fort hein, Tatar. Sur le late game c'est très très fort. Surtout avec leurs hussards qui sont quand même très 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 puissants.
après avoir fait la technologie unique du château des Tatars. Donc si le combo arrive à se mettre en place à terme, bah ça peut être le combo gagnant, je pense, pour VDC, mais on est loin d'y arriver encore. On est loin d'y arriver, il y a quand même très peu de fermiers. On aimerait en avoir un peu plus si on partait, si on partirait sur un play Hussard. Surtout qu'il y a plein de technologies à cliquer avant ça, hein. Il y a le plus 3 d'attaque, il y a chimie, archer de cavalerie lourde. Alors que les premiers trébuchets commencent à sortir côté Miguel. Ouais, Brassard, chimie, on y est. On a déjà Tactic Parts. C'est une force des Tatars, hein. C'est qu'on a bac de pouce gratuit, mais on a aussi Tactic Parts gratuit. Et malgré tout, quelques écuries vont être ajoutées. En tout cas, une, certainement parce qu'il va perdre la première. Farimba, justement, et Chamoulour va être cliqué. Je pense que c'est le bon call, Chamoulour. Si on arrive à trouver le corps à corps sur les archers de cavalerie avec des Chamoulours et Farimba, ça peut être absolument incroyable. Pour le moment ça va, c'est gérable pour VDC, hein. Le trébuchet s'acharne sur des bâtiments peu importants. Mais il faut faire attention à Miguel, hein. Pour Miguel en tout cas, c'est que cette masse de CA ne devienne jamais critique. D'ailleurs on peut voir qu'on est maintenant en archer de cavalerie lourde pour le bon VDC qui va se battre depuis une colline. Et avec les Tatars on a un très gros bonus lorsqu'on est sur une colline, donc attention à la prise de fight pour Miguel. Attention à la prise de fight. Tonneau assez pertinent d'ailleurs proposé par VDC au sud de la map, on peut le voir. On commence à être très bien, on voit que le plus de défense sur la cavalerie est en train d'être recherché. Donc j'imagine qu'on va commencer à aller le chercher ce... Oh, on fait même des Keshik, j'allais dire combo Hussard, mais non c'est des Keshik. Attention par contre, les chameaux qui sont en train de rentrer dans l'économie. On a fait un trou grâce à ce trébuchet, on va peut-être pouvoir trouver des kills économiques sur un petit move de Haras là. On va essayer peut-être de prendre un sandwich aussi cette armée d'archers de cavalerie, ça pourrait être intéressant. Hein. Ça pourrait être très intéressant. Oh oui, elle peut être bien cette fight pour Miguel. Elle peut être pas mal. Ah, malheureusement, ça cafouille un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 archers de cavalerie, 7 archers de cavalerie malgré tout, c'est pas mal. On cueille. Alors que quelques Keshik vont être envoyés dans l'économie, visiblement. Là aussi, j'ai l'impression de pouvoir aller à Arras. Ok, on couche un forum pour Miguel. 47 d'armée contre 38. 174 de pop contre 164. C'est très similaire, mais attention tout de même, encore une fois, grosse fight. Avec beaucoup de chameaux. Obligé du coup de se rabattre, hein, sous le château pour VDC, c'est primordial. Merci à Lord Warpex pour le sub, merci beaucoup. Merci. Ouais, le travail de Miguel est intéressant et c'est là où je disais tout à l'heure que voilà ça colle le GG, mais et Spiralise également pour le resub, merci beaucoup Spiralise. Mais c'est là moi où je trouve que le matchup avec Malien face à Tatar il est ok, hein. C'est vraiment pas l'un des pires matchups que Miguel pouvait avoir ici, hein. Et typiquement bah Chameau Farimba ici ça fait la différence. Surprenant ce Miguel, mec, il a fait une game très qualitative, vraiment, c'était propre. Son play Castellage était très propre, son plan de jeu aussi sur l'Impérial était très propre. Écurie, Farimba, Chameau, bah ça a fait le taf, et peut-être que Caserne finalement ça l'aurait fait perdre en vrai. C'est vrai que l'arbre champion est tellement long à mettre en place que c'était certainement le meilleur call. En plus tu gardes une mobilité en partant sur Chameau, donc j'ai du mal à croire que c'était GG en vrai. Si, c'est archi GG. Bah, tu sais quoi, regarde, je suis encore sur le truc, regarde, hop. Regarde, il perd un peu d'armée ici. Toute son économie sur la gauche avec ses fermes, il la perd. Pour moi, il n'y a pas un monde où il peut revenir là. Et il a perdu 30 péons accessoirement, effectivement. Ouais. Non, c'est archi GG. Pam.
Bah dur mais pas impossible, Wolf. Quand on faisait des 1 war à l'époque, t'avais des gars des fois qui faisaient des play knights contre des play CA et ils gagnaient, tu vois. C'est une question de masse, mais bah après c'est à toi de faire en sorte que le gars qui joue CA, il obtienne jamais cette masse. Faut forcer des fights, il faut harass, faut créer de l'activité, enfin... C'est peut-être plus dur, mais c'est pas impossible du tout. Yo Joe, ça vaut quoi? Je suis pas d'accord, Wolf. Mais bon, j'ai bien compris qu'on sera pas d'accord sur le débat de toute façon. Ouais, ça va, Joe. Ça va, ça va. Je commence à avoir la dalle là. Mais ça va. Enfin, il était temps. On peut le penser en vrai, Wololulu. On peut penser qu'effectivement la tuée de sèche plus tôt pour BLC aurait pu être intéressant. Avant même tirailleur d'élite même, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi on est autour de l'ODC? Je sais pas. Bah déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de timing là, ces derniers temps il n'y en avait pas beaucoup en tout cas, beaucoup de tournois etc. Et le problème c'est que c'est dur, plus tu montes en elo en fait et plus c'est dur j'ai l'impression de trouver des joueurs pour une ODC Tamerlan. Yo Clapo, salut Lazli. Oh ouais, je sais, Tamerlan. Je sais, je sais. Salut, monsieur Joker. Comment ça va? Salut, Tokinou. Montre ton tatou. Tu l'as sur mon Instagram si tu veux, Landoriano. Tu vas sur mon Instagram et tu pourras le voir en gros si tu veux. Simer le renard, merci beaucoup. Merci Wololulu. Merci, merci. Pour ce cast du côté d'ici cool sans smiley. Et on a une deuxième game qui va se lancer. Tais-toi donc, Yakem. Tais-toi donc. J'ai certainement travaillé le double de ton temps de travail à toi, mec. Dans toute ma vie. Alors, ferme-la. De préférence à tout jamais. Indien berbère. Match-up très intéressant. Match-up très 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 intéressant. Normal, t'as 45 ans. Bah justement, respecte tes aînés, Yakem. Allez, ça part. Berbère, du coup, contre Indien. Deux civs très bonnes, dans l'exercice du chameau. Je sais pas trop ce que je préfère en 1v1 comme ça. Qu'est-ce que je préfère dans le 1v1, Berbère, Indien? Très très bonne question. Berbère peut-être plus polyvalent quand même, hein. Je pense que je préfère Berbère ici. Parce que autant on a du chameau et de l'archer de cavalerie côté indien, on peut potentiellement avoir la même chose côté berbère mais en mieux, avec des archers de chamellerie, des knights et des chameaux. Et en plus les knights et chameaux coûtent moins cher, donc je pense qu'ici je préfère le play berbère. En tout cas, on voit un VLC hein, qui, à la deuxième minute, se dirige très rapidement dans la base de son adversaire. Il a la chance d'avoir tout trouvé rapidement, j'ai l'impression. Et du coup, il y a peut-être un timing ici de lame. On va voir.
Les deux scouts qui vont peut-être se croiser. L'éléphant qui est rabattu pour le coup au bon moment. Et le deuxième étant dans le bac. Je sais pas si on va avoir envie de s'y frotter. Attention tout de même, ces deux scouts là. Pas d'échange pour le moment entre les deux. On vient interrompre un petit peu le rabattage. Ok, premier coup du coup trouvé par Miguel. Mais attention à Bilessé qui pourrait reprendre la colline. Non, il décidera de s'en aller tout simplement. Ouais, ta mère là, mais même avec des canons à main 7 plus 1, bah typiquement si t'arrives à sortir des archers de chamallerie, tu les éclates. Est-ce qu'on va tenter le lame là pour VSA? Non, on s'y risquera pas. J'ai pas l'impression en tout cas. On va peut-être plutôt essayer d'aller déranger le péon qui irait chercher l'éléphant. Mais attention parce que Miguel est à côté, encore une fois, avec son scout. Ok, on va partir pour VSC. 4 bûcherons d'ailleurs chez VSC. On en a combien chez Miguel? On en a 3. Mais on a vu tout à l'heure qu'il nous avait bait. En mettant 3 aussi, mais on en remettant plus tard. Souvent quand même avec Berber, on fait un scout rush. Hein, très souvent. Mais là avec Indien, j'ai l'impression que VSC lui est parti sur autre chose. Hein. Peut-être à Malatarnes finalement. Ce serait pas impossible du tout. Malatin, ça a écarché côté indien, je pense que ça se vaut totalement. Miguel qui prend l'information. Est-ce que lui aussi va décider du coup de déranger peut-être son adversaire dans la dans le rabattage du cerf? Pour le moment, non. Pas encore vu de scout rush d'ailleurs hein, depuis le début je crois. Hein. Laissez-moi vérifier vite fait dans mon esprit. Est-ce qu'on a eu un scout rush pour le moment? Je crois qu'on en a un mais je suis pas sûr. Si on en a eu un. C'était d'ailleurs Nikov je crois contre Song Song sur la game où il s'est fait forward. Mais c'était un petit scout rush et c'était pas vraiment une scout war pour le coup. On va voir si le scout rush de Miguel, si en tout cas il nous en propose un, sera un peu plus pertinent. Caserne, donc à keep up côté VDC. Transition alors, donc Manatarm se confirme aide. Et c'est cliqué aussi côté VDC, très bien. Oh, et du coup transition alors également côté Miguel, très bien. Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on change d'idée? Est-ce que c'était prévu? Je ne sais pas. Mais on décidera quand même de poser un camp de mineur. Mais par contre, il n'y a pas de caserne en fait, donc on fait quoi là? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce BO des enfers? Est-ce qu'on prendrait de l'or pour essayer de faire un espèce de fast bloodline sur des scouts par exemple? Le problème c'est qu'avec ce camp de mineur, je sais pas si on pourra la proposer la caserne et l'écurie là. La caserne c'est sûr, mais l'écurie juste derrière, je sais pas. Ok, la caserne qui pop. On est quand même très late, je trouve, sur la production de Manatarms là. Allez, 15 secondes avant de trouver le féodal pour Miguel. 15 petites secondes. Les becs qui sont bien wallés à temps. On va pouvoir gérer ça sans trop de problèmes. Et merci du coup à Boule Magique hein, pour le resub. Les 3 mois, merci de le garder. 41ème sub de la journée. Merci beaucoup. Je suis bon client de votre nouvelle chaîne YouTube, monsieur. Merci pour cela et merci pour ce cast. Des bisous. Merci Boule Magique. Merci beaucoup. Et du coup c'est ni plus ni moins qu'un rush archer qui sera proposé du coup de la part du joueur brésilien Miguel. Intéressant mais ça peut marcher. Oh attention c'est troué là. Non c'est pas troué. Ça va permettre du coup de gérer le Manatarm plus facilement qu'avec des scouts en l'occurrence. Et Zul'Dream qui le lâche aussi son prime. Merci beaucoup Zul'Dream. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que samedi, les amis, on va se refaire une petite séance ciné sur Twitch où on va regarder du coup le troisième Seigneur des Anneaux
comme on l'a fait samedi dernier avec les deux premiers. Et du coup, il vous faut un compte Prime pour que ça marche. Donc, bah, n'hésitez pas à venir samedi après le cast. Et merci à Amazing pour le resub. Merci beaucoup, mec. Ok, on a les premiers archers qui sortent, du coup. On va pouvoir gérer ça sans trop de problèmes. On a sorti d'ailleurs un lancier côté Miguel. Attention par contre à l'or là, la palissade qui pourrait break à tout moment. Ok, c'est repris de justesse par cette péonne. Quelques archers envoyés en attaque aussi visiblement avec le scoop de départ. Belle pression exercée par Miguel. Attention par contre à ne pas s'empaler sous le forum Miguel. Attention, attention. On repoussera du coup bel et bien le manatarm de Villessé pour Miguel, c'est une bonne chose. Alors que Fletching est en possession de Villessé dans maintenant moins de 5 secondes, on n'a toujours pas de forge côté Miguel. Et ça, c'est un problème. Ça y est, suffisamment parlé pour qu'elle pop. Très très bien. Merci Azuldrim. Merci beaucoup. Beaucoup trop de messages gentils donc. Deuxième archer également, on va pouvoir accélérer cette riprod. Là où le joueur indien, lui, on n'a qu'une seule. Ce qui est plutôt intéressant. Ce qui est plutôt intéressant pour Miguel. Yo Pipit. Salut Hypnos. Salut à tous ceux qui débarquent. J'espère que votre journée s'est bien passée. Que le travail, ça s'est bien passé également. Bon appétit à ceux qui mangent également. Le deuxième, Baldur. Tu vas y arriver, Mehdi. Hein. Tu vas y arriver. Troisième essai en général, c'est bon. Vas-y, essaye encore, hein, Mehdi, pour voir. Oh, attention la fight. Oh, attention la fight, elle est horrible. Ah, les Manatarms ont pris quelques coups d'épée là. Les archers, pardon, ont pris quelques coups d'épée par ce Manatarms. J'irai de faire attention à ça. Pas le couteau le plus affûté du tiroir, hein, le bon Mehdi. Hein. Alors que Bombedo, gift un sub. Merci beaucoup, Bombedo. J'ai l'impression quand même que Villessé, il est pas mal dans sa game là. Hein. 13 d'armée contre 7. Prend le contrôle des baies d'une belle colline. C'est dur d'aller le déloger là. Hein. À moins de sortir une micro des enfers avec tous ces tirailleurs. La séquence est quand même à l'avantage de Villessé. Pour le moment, aucun kill économique a été trouvé. Hein. Salut Yannix. Salut Celty String, ou quoi? Celty String, les amis, qui m'a fait découvrir une viennoiserie lyonnaise dont j'ai oublié le nom avec des petits morceaux de sucre à l'intérieur là. C'était absolument divin. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était absolument incroyable. Une praline. Ouais c'est ça ouais. Une praline. Praluline. Praluline ? Ah ok d'accord. Praluline, ouais c'est ça. Qu'est-ce que c'était bon cette merde putain. On force la tour en tout cas côté Miguel qui continue de jouer sous pression. C'est compliqué, hein. C'est très 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 compliqué ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est late en plus sur la transition ferme. Regardez, 7 fermiers contre 16. J'ai le sentiment que. Bah, j'ai le sentiment que c'est déjà GG en fait. La tour va lui permettre de relâcher un petit peu de pression, mais pour autant, le Manatarm toujours en vie. Hein. Salut Molig. Et merci du coup. Pour aller chercher ces quelques manatarms, il n'en reste plus qu'un. On joue beaucoup avec le marché côté Miguel. Énormément. Est-ce qu'on peut trouver un uptime similaire à Villessé qui lui a quand même 17 fermiers? C'est quand même pas certain.
c'est quand même pas certain les deux. Hein. On peut le voir d'ailleurs jouer avec le marché. Avantage à VLC. Hein. Très clairement sur l'uptime. Avantage à VLC. Alors que Yanux resub également pour son quatrième mois. Merci beaucoup Yanux. Un mois d'abo, ça passe vite. Merci On pour tes streams Aidjov. Visage souriant. Mais merci à toi de le garder sur tout ton sub. Merci beaucoup. Ok, on trouvera quand même deux uptime assez similaires quasiment. 30 secondes d'avance pour VLC. Qui est quand même pas mal commit sur du tirailleur pour le coup. Attention, hein, attention à pas se faire piéger justement sur cet investissement de tirailleur là. Puisqu'une simple écurie permettrait de venir clean tout ça. Et d'ailleurs on le voit, hein, les archers qui servent absolument à rien en défense. On va tenter un move et je pense que la décision est très bonne pour Miguel. A défaut de pas pouvoir défendre avec, bah autant essayer de tenter quelque chose. Et il y a des timings là, il hein. Y a des timings, il y a des trous dans les forêts. Donc ouais bah tiens d'ailleurs, excusez d'en parler. VLC d'ailleurs qui pourrait peut-être se poser la question, hein. Ça fait un moment qu'il voit plus les archers, il pourrait commencer à se dire tiens, c'est bizarre, où sont les archers de l'adversaire. L'écurie côté berbère du coup, la game est peut-être relancée. Hein. On n'a pas réussi réellement à enfoncer le coup d'assaut féodal pour VLC alors qu'il y avait quand même un bel avantage à un moment donné. La tour peut-être aussi a aidé à ça, hein, accessoirement. Et du coup, ouais, le berbère qui pourrait partir sur un play très all-in à base de 2 voire 3 écuries à terme pourrait peut-être relancer Miguel dans la partie. Pour l'instant, en tout cas, tirailleur plus de l'attaque a été cliqué côté VLC. Tirailleur d'élite, j'entends. Là où Miguel, lui, pour le moment, est très 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 patient, on peut le voir. Fera le grand tour avec ses quelques archers. Bon, oh, et ça ouvre Chameau du coup. En même temps, il joue contre un Indien, donc il sait qu'il a pas trop de raison de partir sur un play knight, puisque l'Indien fera des chameaux 100% du temps. Crossbow plus de l'attaque côté Miguel, dans maintenant moins de 5 secondes. Et il y a un monde où on prend quelques péons, hein. Voilà, quel déchat, on prend 0 pion là-dessus, si ça y est quand même, au moins 1. Déjà ça de prix. Mais attention tout de même, parce que les tirailleurs sont monopolisés là. On va pouvoir peut-être éventuellement catcher ces archers sur le retour. On est gourmand pour Miguel, on veut du kill le péon. Et on a pour le moment gain de cause, puisqu'on reprend 2 péons pour un total de 3. Un move plutôt intéressant. Les knights peut-être, les chameaux je veux dire, qui vont effectivement peut-être pouvoir sauver ces tirailleurs. Heureusement on n'a pas balistique chez VLC, donc on va peut-être pouvoir se barrer là pour Miguel, hein. Qui est bien revenu dans cette game finalement. Et pour rappel, les chameaux indiens ont plus 1 de protection de perçage également sur les flèches. Donc autant dire que ça trade mieux qu'en temps normal avec d'autres chameaux. Constat assez similaire pour le moment. Les archers se font gérer, les tirailleurs se font gérer. Ouais, le nombre ici aura eu raison côté VLC. Mais attention parce que la technologie elle est intéressante côté Miguel. On a plus d'autres défenses. Là où on a que le plus 1 de défense côté VLC. Elvage également est en train d'être recherché pour VLC, très bien. Et une caméloire du coup, une caméloire en prévision avec monastère qui va être ajouté. C'est un peu, enfin c'est exactement le même plan de jeu qu'une Night War hein, finalement. Unité de cavalerie avec quelques moines pour éventuellement reprendre l'avantage sur des conversions. Le monastère, on peut le voir, il est déjà en place d'ailleurs chez le joueur indien. Salut GSO. Ok, c'est engagé. Il le sait, hein. Il a le plus 2 contre le plus 1 seulement. C'est pour ça qu'on va l'engager cette fight. Alors attention, il y a plus 1 attaque qui pop, cela dit, côté VLC. VLC, pardon. La conversion certainement qui va avoir lieu. Ah, il veut en découdre hein, Miguel, hein. Il veut en découdre. Hein. Merci GSO, merci beaucoup. Let
Ah, les chameaux qui commencent à rentrer dans l'économie. Alors, heureusement, quand on joue chameau pour l'adversaire qui les subit, c'est que ça fait beaucoup moins mal que des knights sur des villageois. Et on commence à bien s'installer là pour Miguel. Hein. On commence à bien s'installer. Et là, il y a typiquement le play berbère, hein, qui commence à se manifester. L'économie berbère qui peut largement assurer et assumer une production de knight sur deux écuries sans aucun problème. Ce qui nous aura permis de cliquer le plus de défense et le plus en attaque pour Miguel. Et j'aime beaucoup le plan de jeu que Miguel aborde. Hein. Ça me paraît être le plan de jeu, je vais peut-être pas dire gagnant, mais en tout cas, le meilleur plan de jeu, je pense, dans ce match-up. On va temporiser un petit peu, là, pour Miguel. On partirait sur quel genre de push, du coup, pour Miguel? Push bélier, push mangono? Ça sera un push mangono. Les moines qui font un bon travail de guérison. Troisième forum du coup contre Villessé. Deux plans de jeu totalement opposés. Il va falloir que le push de Miguel soit bon parce que ça peut vite dégénérer. Hein. Le bonus des Indiens, le bonus économique des villageois qui coûte moins cher fait qu'on peut vite boomer salement. Oh, attention à la grosse fight. 16 chameaux contre 27 en faveur de Miguel. Chameau plus sensible à la conversion comme les chevaliers ou ils ont une résistance? Non, c'est sensible l'un comme l'autre. La seule cavalerie qui a une résistance, c'est la cavalerie des teutons en fait. Et les scouts de manière générale pour toutes les cives. Toujours une belle production de chameau. Peut-être une troisième écurie à terme, une troisième écurie forward là pour accélérer la riprod. Pourrait être pas mal. Pour le moment, on rentre pas. On gagne du temps pour Villessé. On est en train de setup. D'ailleurs, on peut le voir. Un combo avec maintenant quelques pitiés dans la compo. Rédemption également. Qui va permettre à Villessé de tenter des conversions sur des armes de siège. Ouf, on a de la chance là. On a eu beaucoup de chance sur ces moines. Hein. Ok, on a fait un trou. On a fait un trou pour Miguel. Est-ce qu'on va décider de s'y risquer? Pas pour le moment. Un bélier sera proposé. On a pris connaissance hein, des piquiers maintenant pour Miguel. La question, c'est comment on s'adapte. Il y a des piquiers dans la compo, certes. Est-ce qu'on va faire maintenant pour autant des scorpions? Est-ce qu'on va rajouter une archerie? Ou est-ce qu'on continue de faire des knights, des chameaux? On fait des chameaux à l'infini. Hein. On commence à se rapprocher dangereusement. On est sur le moment un petit peu charnière de cette game, les amis. Il faut à tout prix que cette séquence de jeu se passe bien pour Miguel. Parce que là, l'économie indienne, elle commence à s'envoler. Hein. 72 villageois pour le joueur indien. Ouais, on décidera de pas trop s'obstiner, ou en tout cas de reprendre un petit bout de colline pour Miguel. Plus de défense en infanterie également. La fight, on peut pas la prendre. Hein. On ne peut pas la prendre la fight. En tout cas, pas pour le moment. Les piquets font trop mal. Les piquets font bien trop mal. Et justement, un petit scorpion qui va être proposé dans la tête de piège du joueur berbère pour éventuellement mieux matcher contre ces piquets. Le problème étant aussi les moines qui vont certainement trouver des belles conversions ici. Mais attention tout de même parce que là, on donne pas mal de chameaux. D'armée contre 36. Hein. Alors, y a, sur les 36 unités de Villessé, il y a quand même 11 tirailleurs. Ce qui sont absolument, enfin, qui sont absolument pas décisifs dans une éventuelle fight là. On décidera de mettre un petit peu d'action aussi pour le joueur berbère, on peut le voir. Essayer de trouver un petit peu de haras. On a un Villessé qui, pour le coup, est très réactif. On est rendu compte assez rapidement. Et on n'arrive pas à capitaliser, malheureusement, pour Miguel. On va commencer à s'essouffler là. On va commencer à s'essouffler. On pourrait se demander quand même si un petit combo à base de knights pourrait pas être intéressant là. Hein. Plutôt qu'un full chameau. Parce que même si ça se fait contrer par des chameaux indiens, des knights, ça attaque quand même plus fort que les chameaux. Et ça à prendre en compte.
Merci à Korn du coup pour les subs. Merci beaucoup Korn. Ouais, on s'est fait repousser hein. On s'est bien fait repousser là pour Miguel et j'ai le sentiment qu'on pourrait très rarement revenir finalement. On peut voir qu'on mine beaucoup de pierres. Est-ce qu'il va décider de partir sur un player chez Chamalry à terme avec un joli château pour essayer éventuellement de renverser la tendance ou même tout simplement trouver une solution à ses piquets? Alors chez Chamalry serait une bonne réponse, mais bah le temps de mettre tout ça en place, Villessé lui il est impérial hein. C'est ça le problème quoi. On est en train de jouer les reliques d'ailleurs accessoirement pour le joueur indien. Le château donc comme prévu, proposé par Miguel. Il a déjà le plus de l'attaque en plus dans la forge hein, donc quelques archers de chamalerie. On pourrait imaginer une petite dizaine d'archers de chamalerie pourrait déjà s'avérer être intéressant. Le problème étant le temps. Puisque justement il y a un château proposé par Villessé et que celui-ci arrivant impérial dans 2 minutes 33 pourrait partir sur un play trébuché avant Miguel. Alors qu'on est 740 sur le stream. Ça fait plaisir. Plaisir de voir de l'intérêt pour KOTD. Je le rappelle, hein, on est ensemble pour 4 jours. Aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. 4 jours de tournoi. C'est pas terminé. Hein. C'est un tournoi qui dure quasiment un mois. Sur les prochaines semaines, ça sera souvent le cas. Hein, de jeudi à dimanche. On va avoir beaucoup de commentaires. Pour notre plus grand plaisir. Plus de défense côté Villessé du coup. Qui rajoutera un énième forum. Avec 35 fermiers. On est pas mal hein. C'est gentil Openzo. On arrive à sauvegarder par contre cette masse d'armée pour Miguel, c'est une bonne chose, mais malgré... Pouah, on avait oublié l'up des fermes. Mais malgré tout, ça me paraît insurmontable. Effectivement, la transition archer de chamalerie est bien là, mais comment on gère ça? Comment on gère Villesse impériale? C'est ça la vraie question. Comment on va gérer les trébuchés? Comment on gère tout ça? Ça me paraît impossible. Et ça colle, ouais. Normal. Lui-même le sait, hein. Lui-même le sait. Il pourrait même avoir le double d'archer de cavalerie en sa possession. D'archer de chamalerie, pardon. Ça marche pas, en fait. Contre un indien qui est impérial, ça ne marche absolument pas. Le push trap, on peut pas le contester, là. On ne peut pas le contester pour Miguel. Ça donne du coup du 1 partout entre les deux joueurs. Villessé qui rend les coups, c'est bien. Malheureusement, ouais. Le push de Miguel, il a pas abouti. On s'est peut-être fait naïvement surprendre par les piquets. Ça a manqué de soutien en fait, je pense, typiquement. Quand ça a fighté ici là, ça a manqué de soutien. On aurait aimé peut-être ne serait-ce que 10 crossbows. Surtout qu'en plus de ça, on a le plus de l'attaque dans la forge côté Miguel. Donc pourquoi pas proposer quelques archers sur ces deux archeries qui étaient déjà présentes. En plus de toute cette armée de chameaux. C'est peut-être ce qu'il a manqué, je pense, pour que le push soit pertinent. Un petit combo à base d'archer. Dommage. Allons du coup chercher cette troisième game. Pour le moment, on n'est pas lancé, on n'a pas de game ID. On va attendre patiemment, ce qui va nous laisser le temps aussi de regarder ce qui nous attend pour les prochaines journées. Regardez, demain... Aujourd'hui, en tout cas, après cette rencontre, on aura Dogao Fire. Très belle rencontre, peut-être même la plus hypante de la journée. Demain, on aura SCM contre Fish, Jordan contre Dark, Capoche contre Cito, le joueur français, Winchester contre The Max. Sur la journée de samedi, on aura du Mysterio Classic Pro, du Backed Slam, Doubt Barless. Doubt Barless, ça me hype beaucoup. Lirey Daniel. Et sur la dernière journée, dimanche, Vivi contre Kasva, Viper contre Say My Name, MBL contre Brew. Sur le papier, ça m'a hypé beaucoup, le MBL Brew. Et Hera contre Zoupi. Interesting. Ouais, une belle journée. Hein. Une belle semaine. Une belle fin de semaine qui nous attend, en tout cas.
Salut Drax. Ah, tu l'aimes Barless, hein, Icris. Ouais, ouais, tiens, faut juste que je fasse une petite retouche ici, là. Tu vois, il y a juste là, ici, là. Attends, ici, là, tac. Oui, il a un petit peu, il s'est un petit peu estompé. Mais en vrai, autrement, il tient archi bien. Il tient archi bien. Je vois bien The Max créer la surprise contre Vinci. Ce serait pas une surprise pour moi qu'il passe contre Vinci. Hein. The Max, c'est quand même un joueur très talentueux. Yo Sarah, ça va? C'est un faux tatouage? Ouais. Ouais, j'ai mangé un malabar en fait. Et je me le suis collé il y a deux jours. Alors que la troisième game vient de popper. On va aller la chercher rapidement. Salut l'âme noire, ça vaut quoi? C'était un gros malabar. Ouais. Bah, tu sais, ils font des gros malabar maintenant. Plus que demain avant le repos. Courage. Courage. Imagine la taille du malabar. Ouais. Un partout actuellement, Donald, ouais. Ouais, je sais, bah j'essaie de plus me laver la main en fait, Feraz. C'est-à-dire que quand je me douche, j'ai toujours un bras en dehors de la douche pour éviter que le tatouage se barre. Je pensais pas qu'un tatouage s'estompait. Bah en vrai, y a des zones de du corps qui fait que ça tient moins en fait. Parce que, bah je sais pas, regarde ta main, tu verras, hein, mais le dessus de ta main, c'est pas la même, c'est pas la même peau que... C'est pas la même matière que ton bide, par exemple. Et du coup, la peau sur la main, ouais, elle retient moins l'encre. C'est même pas une question d'épaisseur, de fine ou quoi, c'est que... je sais pas, moi, tu le sens, en fait. Quand tu touches le dessus de ta main, ici, là, et que tu touches, je sais pas, ta gorge... Tu sens que c'est pas la même surface. Tout le chat qui soulève son t-shirt et colle sa main sur son bide pour vérifier la texture. Ah, ça me chume. Moi, je peux te dire que mon bide est tellement rond que je peux en faire des tatouages. Eh ben, écoute, Thierry. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est pour ça que t'as des tatoueurs qui refusent de tatouer les mains, parce que bah des fois t'as des mains chez certaines personnes pour qui ça tient pas du tout, genre. Et ils ont pas envie de prendre le risque. Question de souplesse du derme, c'est ça, merci Openzo. T'as du douillet par contre sur les doigts, toi. Hein. Parce que les doigts, apparemment, c'est phénoménal la douleur des doigts quand tu te fais tatouer les doigts. Cette musique me rend fou. Pourquoi, again? Cette game ou pas là? Apparemment, il y a un petit problème technique du côté des joueurs. On va attendre patiemment. Non, tu veux pas nous la montrer?
Mais Ferras, frérot, lâche ma veste en fait. T'es archi relou. Tiens. C'est bon ? Tu vois là, t'es content ? Incroyable ça. Merde. C'est quoi les scores ? Un partout. Vinès a rentré la deuxième. Il ressemble à Viper, je trouve. Ah, je suis mort. Bah, en fait... je sais pas si par exemple je m'ouvrais la main là avec un couteau, j'en sais rien. Ça va cicatriser, tu vois. Mais effectivement, du coup, la cicatrice se verrait et ça flinguerait le tatouage. C'est normal. Tais-toi, Arkaos. Tais-toi. J'espère aussi, Amazing. J'espère aussi, mec. Non, non, absolument pas, hein, Ferraz. Je pense que Age of Empires, c'est un des jeux qui demande le plus d'investissement à haut niveau. C'est abusé. 4200 viewers sur le stream de Membrillo, c'est une très bonne chose. C'est une très 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 bonne chose, les amis. Ouais, je pense. Shostakovich. Ouais, ouais, je pense qu'il y a. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je le donne favori face à Capoche. Un bon 55% de chance de gagner, je pense, face à Capoche côté Sito. Il nous a proposé des belles choses en qualif. Hein. En vrai de vrai. Ce qu'il faut, c'est gérer le stress. Il m'a dit qu'il s'était quand même pas mal entraîné, donc. On peut y croire. Face à Capoche, on peut large y croire. Ouais, en plus BAP, exactement. Exactement, exactement. Ok, ils sont toujours en train de trouver pour une solution. Apparemment, il y a des problèmes de latence. C'est bizarre. Ok, Anto, bah écoute. Il en faut pour tous les goûts, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Hugo aurait-il rejoint KOTD, ça me fume. Ouais, bah ça m'étonne pas, Pintade, ça m'étonne pas. Tu penses quoi de AO4 Bah, point d'exclamation AO4 comme tu viens de le faire. Hein. T'auras la réponse. Il y a d'autres BO après ? Ouais, là c'est l'avant-dernier BO. Après il nous en restera un. Et après on va manger. Pourquoi t'aimes pas ? Bon, c'est subjectif, hein, mais c'est juste que le jeu est pas à mon goût. J'aime pas les graphismes, j'aime pas la caméra. Et je trouve que mécaniquement, le jeu est pauvre par rapport au 2, typiquement. Donc, bah, vu qu'on me laisse le choix de choisir entre le 2 et le 4 aujourd'hui, je choisis le 2, tu vois, c'est tout.
Non, j'ai pas de test, Neo. Mais je le testerai pas, je pense. J'en entends trop de mal. Salut Ben Guzzi. Je sais pas, j'en pense pas grand chose, Destroyer. Je sais pas c'est quoi ses arguments, parce que bon, le dire c'est une chose, mais les arguments apportés derrière en est une autre. En sont une autre. Je sais pas c'est quoi les arguments qu'il apporte. J'imagine qu'il a dû en donner. Si tu peux me les dire, je te donnerai mon avis, mais. Aujourd'hui, moi et même des personnes qui jouent au 4 et qui aiment le 4 admettent que le 4 a moins de micro que le 2, donc je vois pas pourquoi lui il dirait ça. C'est quoi les arguments qu'il apporte ? Bah non, j'aime pas spécialement Edge of Empires 3, pour ça que j'y ai jamais joué en fait. Et du coup, bah, tu vois, mais enfin, je reste cohérent dans mes goûts. Le 4 a des mécaniques sympas. En vrai, non. Il a pas des mécaniques sympas. Il a pas de mécaniques, à mon sens. Mais par contre, il y a des très bonnes idées dans le 4. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le 4 en termes d'idées. Typiquement, je kiffe beaucoup le fait que t'aies des unités qui ont des espèces de pseudo-pouvoirs. Ça, je trouve que c'est grave stylé. Genre, avec les Russes, le fait que tes moines apportent un soutien militaire, je trouve que c'est stylé. Le scout mongol aussi a une faculté un peu comme ça, je trouve que c'est stylé de ouf. Les bâtiments qui, pareil, ont un peu comme les moulins des Polonais dans Age of Empires 2, le fait que les bâtiments procurent un bonus à d'autres bâtiments quand tu les fais à côté, je trouve que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est cool. Toutes ces idées-là, moi, je trouve que c'est archi-quali dans Age of Empires 4. Mais mécaniquement, c'est pauvre as fuck. Merci Dragon pour le sub, merci beaucoup. Ils ont commencé à mettre ça dans le 3 déjà. Peut-être. J'ai pas une grosse connaissance du 3, mais je te crois quand tu me dis ça. Ouais. Tu casses VDC, pause. Ouais, je casse, mais là, il y a un problème technique apparemment. Apparemment, ils vont lancer dans une seconde, d'après la modération, là. Je ne regrette pas un peu quelque part le fait de ne pas surfer sur la vague Edge Pumper 4 pour faire grossir ta chaîne. Non, parce que c'est pas comme ça que je conçois le truc en vrai, Monsieur Joker. Le streaming de manière générale, tu vois. Pour moi, il faut pas. Enfin. Je sais pas, mets-toi à ma place 2 secondes. Ou même à la place d'un streamer 2 secondes. Tu trouverais ça sain de dire je vais jouer à ce jeu-là, non pas parce qu'il me plaît, mais juste parce qu'il fait des vues. Je sais pas, je trouve le move bizarre en vrai, tu vois. Et je préfère capitaliser sur. Bah sur des choses que j'aime. En l'occurrence, j'aime le 2, je le kiffe. Et je pense que c'est plus intéressant pour moi de jouer au 2, de ce point de vue-là. Beaucoup le font. Tu peux enlever le kappa en vrai, parce que c'est archi vrai ce que tu dis. Donc, mais oui, beaucoup le font. Bah après, c'est chacun fait ça. Chacun mène sa barque comme il l'entend, tu vois. Pour beaucoup, le stream étant un business, oui, Eugène. Alors, Asitari, si je peux me permettre, c'est aussi mon business, puisque j'en vis depuis 1 an et demi maintenant. C'est mon métier à temps plein, j'ai une société qui tourne, etc. Donc, oui, le business... Enfin, tu peux avoir une vision... En fait, si tu veux, tu peux avoir une vision orientée business, mais pour autant garder des valeurs, tu vois ce que je veux dire ? Et éviter de surfer sur des hype alors que toi-même, tu crois pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Pour moi, les deux sont pas incompatibles. Et au contraire, j'ai tendance à croire que dans le streaming, l'honnêteté et la transparence, c'est un meilleur plan de jeu, si on peut dire ça comme ça, que de vouloir à tout prix justement faire du bif. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, en tout cas, de mon expérience et de mon vécu, c'est ce que je ressens. La preuve, aujourd'hui, on est 700, presque 800. On a une journée qui fait 50 subs là, actuellement, enfin... Je pense que la transparence est plus payante en ce qui me concerne.
je te comprends, mais c'est ton taf. The Sniper te dépasse souvent en viewer, tant mieux pour lui. Bah ouais, mais bon, après, faut voir d'autres aspects, tu vois. Faut voir si ces viewers-là, il est capable de les garder. Faut voir, tu vois, enfin, je reste convaincu que ça fait pas tout, en fait, de jouer à des jeux de hype, tu vois. Ça m'intéresse pas d'avoir des gars qui sont là juste pour 3 semaines, le temps que le jeu joue, ou même pendant 2 mois si tu veux, pendant que le jeu joue, puis après qu'ils qui dégagent, tu vois. C'est tabou, ton revenu? Non, pas spécialement, j'ai déjà dit plusieurs fois combien je gagnais. Hein. Le truc, c'est que c'est très volatile. Là, en ce moment, on est sur une période un peu creuse, tu vois, mais pour te donner une idée, le mois dernier, j'ai fait net... J'ai fait 3000 balles, je pense. Et le mois d'avant, j'ai fait quasiment 5000. Donc, ça dépend des mois. Cimer, les gars. Bah, les OPSP, ça aide aussi beaucoup. Hein. Là, typiquement, l'OP avec Hyperix et la banque QP, ça m'a mis bien. Hein. Le mois à 5000, c'était le mois avec le Red Bull Ololo, les OPSP qui tournaient en parallèle et tout. C'était incroyable. C'était incroyable. Et sans Ozitin ? Bah, tu sais, ça fait un petit moment qu'Ozitin, il ralasse plus autant qu'avant, hein, Ben Gouzi. Hein. Mais ça, c'est parce que, bah, on a eu une discussion, lui et moi, et que je lui ai demandé, tu vois, d'arrêter. Donc ça lui arrive de lâcher encore un petit billet de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est parce qu'Ozitan aujourd'hui, ça devient un ami, tu vois, avec le temps, et je lui ai dit, moi, je veux pas d'une relation amicale qui tourne autour de l'argent. Pas comme ça. Donc c'est soit on devient ami et t'arrêtes de me rincer, ou soit on devient pas ami et tu peux continuer de me rincer. En gros, je lui ai pas laissé le choix. Merci Valdior. Bon, il nous la lance cette game, par contre, ou ça se passe comment, là? Bah, c'est toujours délicat, Arkaos. Maintenant, si demain il y a un gars qui décide de me lâcher 2000 balles par mois, je vais. Enfin. Je vais pas m'y opposer, tu vois. Au contraire. S'il y en a un, n'hésitez pas. Mais là, avec Ozitin, étant donné qu'on s'était vu à Lyon, qu'on avait passé un bon moment et tout pendant 2 jours. 2 jours ou je sais même plus. Là, on s'est revu il y a pas longtemps, on s'est revu dimanche. Tu vois, enfin, moi, je conçois pas une amitié qui. Enfin, de toute ma vie, j'ai jamais eu une relation amicale où il y a un mec qui me ralasse comme ça à hauteur de 500-600 balles tous les mois, tu vois. Ça, c'est pas possible. Jamais de la vie, j'ai une amitié comme ça. Et de la même manière, jamais de la vie, j'entretiendrai un pote comme ça, tu vois. Je veux pas de ça. Je veux absolument pas de ça. C'est mort. C'est tout sauf sain, ça. La game est commencée chez même. Ok. On va se dépêcher, alors. Nanana. Certains potes, c'est l'inverse. Ouais. Giga Kappa. Hein. Il est pas assez gros ton Kappa, ma kill, là. C'est gentil, Nono. Merci, mec. Tu payes beaucoup d'impôts sur le stream. 22%. 22% sur tout ce que je touche, ouais. Acheter un pote, c'est pas ouf en vrai. Non, mais en vrai, même au-delà de ça, tu vois, Ozitin, il m'a pas donné autant d'argent pour m'acheter, entre guillemets, en tant que pote. Mais pour autant, je sais pas, c'est juste que c'est archi normal en vrai, tu vois. Genre, on devrait tous avoir ce raisonnement-là en vrai. J'arrive pas à voir la game, par contre, les gars. Hein. J'arrive pas à voir la game. Je vais redémarrer le jeu en vitesse. Bah, j'arrive pas à trouver la game, Loupinou. Donc, je redémarre mon jeu. Laisse-moi 2 secondes.
Je sais pas, Thierry. Et à vrai dire, je m'en fous. Complètement. Exactement, Botandus. Bah, je me sens déjà redevable d'Ozitan d'une certaine manière, tu vois. Je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai dit que. Il a quand même contribué beaucoup à mon ascension, tu vois. Mais bon, pour autant, avant même ce sentiment-là, c'est juste que. C'est pas comme ça qu'on soit l'amitié, tu vois. L'amitié ne doit jamais être. Ne jamais tourner autour de l'argent, absolument jamais. Le moins possible, en tout cas. Ouais, bah attendez. Bon compte pour les bons amis, c'est ça. Puis bon bah attendez, je demande au staff, hein. Je demande au staff c'est quoi le game ID, parce que visiblement celui qu'ils ont donné, bah moi il marche pas. Yo loco. Sur Rodonette, t'as pas, je sais pas. Non, ça marche pas. Tester autrement. Puis il y a des cas, on castera, on regardera ce qui se passe sur le stream de même, hein. C'est pas grave, mais j'ai pas d'infos moi de mon côté, Chacal, mais il m'a donné un son de cloche il y a genre un mois et demi en me disant que c'était toujours dans leurs actualités, mais c'est juste qu'il y a d'autres choses à faire avant, tu vois. Genre là typiquement ils jouent un event dans quelques semaines je crois, donc il y a d'autres choses avant, tu vois, ce qui est totalement normal. C'est Red Bull te contacte pour commenter du Wololo sur Edge Vampire 4, tu dis oui quand même? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, je laisse à Wolf, mais ça marche pas, frérot. Ça marche pas, j'ai même essayé avec le lien. Oh, ça y est. Ok, bon. Par contre, on a un petit peu de retard, les amis. Je crois qu'on va l'accélérer. Je pense qu'on va typiquement pas s'attarder sur la chambre. Désolé pour ce long moment d'attente. Merci, Cheval Fou. Bah, c'est ça, ouais, exactement, Merguez. C'est pour. Enfin, c'est du travail, tu vois. On crache pas sur le travail. Apprécié. Apprécié. En plein débat dedans. Mais vous voyez, c'est pour ça que je veux pas devenir l'ami de Loco. Parce que si on devient ami, il pourra plus me rincer. Ni plus ni moins. Bon, en tout cas, Malatarms est de côté, mais on a réussi à rentrer côté VDC. On a réussi à rentrer, on est toujours en accéléré, hein. Il faut rattraper ce retard. Un kill économique trouvé d'ailleurs côté VDC, on peut le voir sur le Manat Arms.
Et on continue de mettre une très belle pression. Pour le moment, on a Miguel qui ne décide de pas faire de tour. Et les deux joueurs qui sont en train de se diriger du coup vers l'âge des châteaux. C'est incroyable le retard qu'on avait là. Le tournoi, il a deux doigts de se finir en fait. C'est la finale après ou quoi? Peut-être sèche du coup, ok. On est sous pression. On est sous pression et on a que peu d'armées finalement. Donc ça fait sens, on a essayé de mettre un petit peu de pression en retour. Ça y est, on a rattrapé le direct les amis. C'était un very fast castle, exactement. Exactement Bunny Boy. Mais c'était nécessaire pour pas engendrer trop de retard. Imagine le jeu à cette vitesse en permanence. Bon, easy. Easy game. Bon, attention parce que le Mangono, malgré tout... peut être menacé avec les knights de Villessé dans sa compo. D'ailleurs on n'a pas parlé du matchup mais c'était Bourguignon contre 1. D'où le play archer de cavalerie pour le joueur Miguel. Ok, on dodge le Mangono. Pendant ce temps là un Villessé qui partira sur 3 forums. C'est intéressant parce que du coup c'est à peu près la même approche que la game d'avant avec les Tatars et les Indiens je crois. Non, Tatars et Maliens. Non, Indiens et Berbères, autant pour moi. Un TC pour Miguel. Il va falloir se montrer beaucoup plus impactant que sur la game précédente. Hein. Alors que Cavalier va être kické côté Bourguignon. Un bonus propre à cette cible-là. Hein. On commence à le connaître maintenant. Alors que l'économie de Miguel, c'est un véritable bouxon. Ça travaille n'importe comment. Et le problème, c'est qu'il a pas trop de bois derrière, en fait. Hein. C'est ça le vrai problème de Miguel, là. C'est qu'il est en train de subir sa map. A tel point qu'au score, en tout cas, il commence à y avoir une très grosse différence. Ah, il faut se barrer, hein. On n'a pas le choix. Là. Il faut arrêter de prendre ce bois devant, Miguel. Hein. Et par contre, le Mangono, attention, ouais, c'est un beau shoot. Un beau shoot, mais attention tout de même, beaucoup de tirailleurs. Cavalier qui vient de popper, on va maintenant pouvoir foncer dans le tas peut-être avec ses cavaliers. Ah, c'est étonnant. Après, il y a quelques crossbows dans la compo, mais ça collera le GG. C'était une game, les amis, très rapide. Malheureusement on a eu beaucoup de retard. Et si on l'avait pas commenté en accéléré, eh bien, on aurait été en retard pour toute la journée derrière. Bon, 2-1 du coup pour Villessé. Désolé. Mais encore une fois c'est pas ma faute. Le jeu me trouvait pas la game. Game très rapide. Ouais effectivement. Effectivement effectivement. Il subit sa map quand même hein. Il subit sa map le bon Miguel. Il avait tout qui était devant en fait. Littéralement tout. T'es un gamin Arkaos, t'es un véritable gamin mec. Pourquoi tu n'as pas la cam des joueurs toi? Parce que c'est la... enfin... moi je stream juste depuis chez moi à GSO. Même il a toute une production qui récupère le flux des cams etc. Enfin... pas pareil. Qui vient de GG? Miguel qui vient de perdre face à Villessé. Et du coup, balle de match. Si Villessé rentre la prochaine, il passera. Et c'est Miguel qui partira du coup, bah, d'où il vient. Salut, Munsukung. Il me semble qu'il y a un délire comme ça, Maurice. Ça doit être mentionné sur Wikipédia. On va aller regarder ça. Il me semble que dans l'annonce, il y avait un truc comme ça, ouais. Attends, laisse-moi vérifier. Ah, je vais te retrouver ça, je pense, sur AO Zone. Attends, bouge pas. Pas vraiment, Chacal. Alors, King of the Desert... pour... alors, il a dit que à chaque fois qu'il faisait un palier de 5000 subs sur sa chaîne Twitch, il rajoutait 2500$ au prize pool. Donc en gros, tous les 5000 subs, ça me paraît énorme, mais bon, pourquoi pas. Et il a dit que pour chaque 50 000 followers sur sa chaîne YouTube,
il rajoutait également 2 500 $. Voilà les conditions. C'est des grosses conditions pour le coup. Salut Red Devil. Ouais ouais, c'est un bon début de tournoi pour le coup. Les games sont intéressantes. Il y a du beau jeu. Il y a du très beau jeu. Il joue demain, Red Devil. Non, bah y a aucune raison de taunt, Gozgoz, hein, c'est une manière de faire comme une autre, hein. C'est TNT qui a développé cette manière de faire, d'augmenter le price pool pour des paliers de sub. Mais là, les paliers me paraissent en fait un petit peu disproportionnés. Je crois que si je prends les paliers de TNT, typiquement, ils étaient même pas aussi élevés, alors que TNT, il avait une audience de porc pour les Den Cup 4. C'est juste les paliers que je trouve mal proportionnés, mais en vrai, l'idée, moi, en tant que tel, j'y vois pas d'objection. Ça y est, j'ai un game ID. Espérons que ça marche mieux que le précédent. Salem, Radamant. Ok, la game vient de se lancer sur le stream de même. Putain, et moi je l'ai pas. Ah si, ça y est, je l'ai. Enfin, je l'avais il y a 2 secondes et elle vient de disparaître. Ok, c'est bon, on y est. Lituanien contre Viking. Intéressant. On va enfin voir les Vikings à l'œuvre, les amis. Après leur petit nerf de la nuit dernière. Hâte de voir ce que va nous proposer du coup Miguel d'un point de vue gameplay. Avant 4, t'avais genre 5 fois plus de viewers que Sniper, la scène est revenez les gens. Mais t'inquiète pas, Endgain. Ça va très très bien, les affaires tournent bien malgré tout. Hein. Donc t'inquiète pas, frérot, tout va bien. Les couleurs sont les mêmes. Lituanien, du coup, côté Villessé, on a vu que c'était une cible qui marchait très très bien. A voir maintenant côté Miguel. Comment il va nous proposer. Un plan de jeu intéressant avec les Vikings. Est-ce qu'il va partir sur un Manatarms du coup? Parce qu'apparemment le Manatarms Viking maintenant possède 54 HP. Sur le papier c'est intéressant, mais à voir. Ils ont plus back de pouce, Piranha. Ils ont plus back de pouce. Par contre ils ont eu un petit buff sur les unités uniques. Et également sur l'infanterie de manière générale. Maintenant les bonus d'HP s'appliquent dès la chombe, si je dis pas de conneries, ou dès la cheveudale. Genre en gros t'as des manatarms avec 54 HP à l'âge féodal, alors qu'avant t'avais des champions à l'âge impérial avec 54 HP. Et là maintenant tu les as dès l'âge féodal. De rien Pierre là. De rien. On voit que Miguel est déjà dans la base de son adversaire. 4 bûcherons côté VDC. Intéressant, j'imagine un Malatarms. 4 également côté Miguel. Là pour le resub, merci beaucoup. Bon comment Terry. Merci beaucoup et merci Gible.
chaud les bois de Miguel. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a pas forcément beaucoup plus chez BDC. Hein. Il va y avoir cette forêt dans le bac, cette forêt devant. Celle-ci, bon, pas ouf, pas ouf. En vrai, les maps se valent. Les maps se valent, je trouve. C'est assez ok. Je sais où il y a des chamois à côté des autruches de Miguel. Ouais, c'est un élément de décor. Tu parles de quoi? Tu parles de... Ouais, tu parles de ça, c'est un élément de décor. Tu peux les tuer d'ailleurs, accessoirement, mais tu peux pas les manger. VLC aussi, qui débarque dans la base de son adversaire. Ah, c'est bizarre, il y a que 3 cueilleurs, étonnamment. Très, très, très étrange. Alors que le feu d'aller cliquer côté Miguel. Un joli 20 de pop. Comment ça fait plaisir de voir. Ouais, de même, Bayano. Ça rappelle la bonne vieille Arabia de l'époque. Et encore, hein, ils ont été gentils, ils en ont pas mis beaucoup. Hein. On prendra 0 risque, en tout cas pour Miguel, on peut le voir. Hein. Tout est wallé, littéralement tout. Certainement parce qu'il s'y attend. Hein. Non, c'est un effet encore une fois de déco, le petit tapis en dessous du forum. Rien de logique derrière ça, c'est juste pour faire joli. J'imagine que c'est pour faire un lien avec le côté désert et les peuples du désert qui peut-être avaient des tapis comme ça près de leur habitation, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on y est. Hein. Le Manhattan Stituanien qui se rapproche dangereusement. Qu'est-ce qu'il nous fait du coup le bon Miguel là, je comprends pas. Écurie? Mais what? Ah, attendez, j'ai loupé un épisode ou quoi là? Scootrush Viking contre un Manatarms. Alors ça. Ça les amis, on l'avait pas vu venir. Hein. Je suis pas trop convaincu par l'idée, mais on va voir si Miguel va me faire mentir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors que pendant ce temps-là, on peut le voir, il y a une archerie qui est en train d'être proposée. Normal. Manatarms qui vient d'être cliqué, ça y est, on y est. On va pouvoir commencer à mettre la pression. Et la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait en vrai là pour Miguel? On va masser les scouts pour défendre le Manatarms ou on va les contre-attaquer instant? Très 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 intéressant. Ok, on met la pression sur notre palissade pour le Manatarms. Il y a un lancer qui a été proposé mais qui va se faire instantanément sniper. Dommage pour Miguel qui s'y s'endort un peu sur les micros. Attention Miguel, hein. Balle de match, on le rappelle, hein. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. J'ai du mal à comprendre, hein, pourquoi on part sur un scout rush pour justement derrière après proposer une archerie. Ça n'a aucun sens. Littéralement aucun sens. Pendant ce temps-là, les quelques archers vont se ramener. Ça va être ingérable. Hein. Là, il lui faut vite des tirailleurs, je pense. A défaut, de toute façon, de pouvoir faire des archers, vu qu'il prend pas d'or, des tirailleurs feront l'affaire, mais... Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, en plus de ça, on redonne encore une fois le lancier. Ouais, il se fait sniper, le lancier. Hein. Alors, il aura servi strictement à rien. Pendant ce temps-là, on perd un scout. Pour le moment, on trouve pas de kill. Hein. On trouve pas de kill avec les scouts de Miguel. 10 d'armée contre 4. La pression qui continue d'être exercée par ces archers lituaniens. Et ça y est, le premier kill économique trouvé du coup par BDC. Ça remet un petit peu de temps, mais ça y est. Toute une récolte au bois du coup qui est maintenant interrompue. Archerie forge maintenant proposée par Miguel. Tout ça est scouté bien sûr par BDC. Attention, attention, forum. Et maintenant, c'est des cueilleurs hein, qui sont menacés. On n'a pas encore le plus en attaque sur les archers. Heureusement d'ailleurs pour Miguel.
Ça ne serait tardé, j'imagine. Effectivement, la forge est en train d'être proposée. Ça va aller. Compliqué de se dire qu'ici il y a un monde où Miguel y revient. Hein. Parce que là, les unités sont pas bonnes en fait. Les unités sont pas bonnes. À tout moment, en plus de ça, on sort une transition à tirailleur pour BDC. Voyant que le Viking fait que des tirailleurs. À tout moment. Ouais, puis là, ça va commencer à dégénérer. Ça va commencer à dégénérer. On peut pas la prendre cette fight pour Miguel. Surtout pas avec les villageois. Hein. Les lancers qui se font sniper intelligemment. On perd une péonne, la deuxième. Ouais, c'est très bien micro. Hein. C'est très très bien micro. La fight est dégueulasse pour Miguel. Bon. Ça paraît GG, hein. Cinq kills économiques. Le Malatarms, toujours vivant, qui fait des dégâts absolument considérables. 25 villageois contre 34. 9 villageois d'écart. Je pense qu'il va falloir penser à l'alcool, mon cher Miguel. Incompréhensible, hein, cette game. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Miguel pour se dire, tiens, et pourquoi pas prendre une cive qui, en plus de ça, s'est fait nerf pour faire l'un des pires scout rush de tout la cheval possible. Non mais c'est complètement fou. Bon. 27 villageois contre 36. La cible va pas être nerfée au féo. Non mais je suis d'accord. Mais pour autant. Pour autant, le scout rush il reste très mauvais. Encore, tu fais un scout rush viking contre une autre civ qui a un scout rush équivalent, c'est-à-dire sans ligne de sang, pourquoi pas. Mais là, tu fais un scout rush contre un lituanien, genre, et avec viking. Je trouve ça bizarre de fou. Surtout que le lituanien, trop souvent, il va ouvrir Man at Arms. Donc le scout rush, il va être nul en fait. Il va être nul. Et en plus, t'as un buff sur les Man at Arms viking maintenant. Alors pourquoi pas faire un Man at Arms viking? C'est ça qui est complètement insensé. Quoi qu'il en soit, on continue de mettre de la pression. Ici et là, les archers maintenant qui s'attaquent à ces quelques bûcherons. Ah, 40 villageois maintenant pour VDC. Hein. Contre 30. Alors certes, on a la brouette côté, côté Miguel, mais pour autant, pas sûr que ça suffise. On continue de prendre des unités ici et là. Une écurie, je pense, ça vient finir le game là. Je pense qu'on va décider de cliquer pour VDC au vu de l'économie, mais là, je pense qu'il rajoute une écurie, c'est archi terminé. Hein. Avec 20 fermiers, typiquement. Pic de finale. Ouais, franchement, c'est dommage parce qu'il nous propose une première game, Miguel, qui est absolument dingue. Très belle première game. Et malheureusement, j'ai l'impression que son niveau de jeu, il s'est un petit peu détérioré au fur et à mesure du BO. Ouais, ça va cliquer château. Peut-être qu'on peut se l'acheter, l'âge des châteaux pour Miguel. Hein. Petit marché, peut-être. On commence à générer pas mal d'or. Peut-être. Je sais pas. Le problème étant la différence économique, quoi. Surtout qu'on a brouette aussi maintenant côté VDC, donc. Ouais, c'est chaud. On continue de sniper. On a le puissant de défense sur le tirailleur par contre côté Miguel. Ce qui est pas le cas côté VDC. Et c'est cliqué. C'est cliqué à des années-lumière devant son adversaire. Hein. Je pense que ça va call sur le passage d'âge des châteaux. Alors après, on est sur une balle de match. Mais hein, on peut le voir. Il est en train de cliquer là aussi avec le marché. Le bon Miguel. Il va essayer de se le trouver. Il pourrait vendre la pierre, je pense. Hein. Au moins 100. Allez, clique Miguel, faut cliquer là. Ouais, c'est cliqué. Écurie, en toute logique. On le rappelle, on est lituanien, c'est totalement normal. Et le problème, c'est qu'au vu de la map de Miguel, bah les knights ici, ça va venir finir la game. Hein.
ça va totalement finir la game. On va foncer tête baissée dans cette forêt, éventuellement sur cet or là. En plus, on continue de produire sur une seule archerie. C'est un vrai problème. La deuxième est en train d'être proposée, cela étant dit. Bloodline qui vient d'être effectué chez Villessé. On a maintenant le plus 1 de défense aussi. Et on fait le plus 1 d'attaque sur les Knights côté Villessé. Très intéressant. Villessé qui a oublié l'up du bois en effet. Pour autant, ça l'aura pas dérangé de proposer 20 fermiers hein, chez le bon Villessé. Également double écurie. On est tellement, tellement bien. Il n'y a pas un monde où on peut perdre cette game pour Villessé. Si on perd cette game, c'est un choke. Ni plus ni moins. Plus de défense et ça colle, ouais, logique. J'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver à cette quatrième game pour Miguel. C'est un petit peu décevant parce qu'il est capable de montrer bien mieux, surtout vu de sa première game qui était vraiment très propre. Là, c'est... ouais. C'est assez dingo. Après, des BO5 comme ça dans des tournois à 75 000 $, il faut avoir les épaules pour les assumer, hein. Il faut avoir des épaules pour les assumer. Peut-être pas forcément le cas de Miguel, j'en sais rien. On va avoir une interview, j'imagine, de Villessé. Je préchote, hein. Toute remarque envers Villessé sera sévèrement punie par la loi de la singerie. On a cette fin de BO. Je suis d'accord. C'était des games en dessous de ce qu'on a commenté jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Bah rien Alex, mais je sais pas, certains aiment bien des fois parler pour rien, dès lors où on voit notre bon VDC. VDC c'est en demi minimum, il est monstrueux sur Arabia. Ouais je suis d'accord, faut pas le sous-estimer. Totalement d'accord, et même en Red Bull Lololo, hein, il était très fort aussi, donc... Les rencontres sont sans surprise, ce qui est normal, Néo. Totalement normal, premier tour comme ça, même si tous les joueurs sont très forts, il y a quand même des résultats assez évidents. On prend Tato Bad Boy, on savait pertinemment qu'il n'y a pas un monde, à mon sens, où Bad Boy peut gagner le BO5. Un BO3 sur un malentendu peut-être, mais jamais un BO5. Attention, interview je crois. Ouais. Can you listen to me, Villessé? Yes. Okay. I hear you well. Congratulations, Villessé. How are you doing? Thank you. I'm feeling fine. Relieved. Okay. I mean, after losing the first game, how were you feeling? Because you know that this match today was single elimination. Win or go home. Yeah, I didn't feel great in the first game. I think I played very bad, and Miguel is a good opponent, so he can surprise you if you don't play your best. So I was a bit worried there. Okay, then the other three games after that first loss, you feel so solid, like confident, and basically you put a lot of aggression with one archery range in a couple of games, like, and with that archery range. Only you push complete Miguel and went to Castellage and then came over. Yeah, especially the last two games, they went pretty well. The feudal aggression worked out, and the second one I felt I didn't play great, but I made the better decision in terms of drama, so turned out fine. Okay, Villess, I like the banner you have behind you. Brings you good memories, yeah. Right? Yeah, it does. Okay, it brings you good memories. Well, I'm happy for you. Really, congratulations. I wanted to ask you a last question. Anyone that you don't want to face in the future group? Or someone that you want to face because you want to win and I don't know? Any preference? I would not like to face my teammates from Suomi, but anyone else, I'm fine with. Okay, so you think the Max and Supi are going to advance? We will see about that. Okay.
Okay, he doesn't say. Well, Velesi, congratulations. Thank you so much for coming, and good luck in the rest of the tournament. Thank you. Okay. Hopefully, guys, you enjoy. Ouais, l'accent, il est dur. J'avoue que j'ai pas trop bien compris, moi, perso, quand il parlait. Déjà parce que mon anglais est pourri, mais en plus, avec l'accent, là, trop dur.